Des vivres, des tentes et des appels à l'aide pour éviter une catastrophe humanitaire dans la Corne de l'Afrique. Hier, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a fait venir 100 tonnes de tentes au Kenya. Au total, 600 tonnes sont prévues pour le camp de Dadaab, dans le nord, là où de nombreux Somaliens sont récemment arrivés après avoir fui la sécheresse mais aussi les combats dans leur pays. Il faut des abris pour les réfugiés de ces camps, insiste le porte-parole du HCR. Car entre l'Éthiopie et le Kenya, nous recevons environ 3000 réfugiés par jour. Dadaab est l'un des plus grands camps de réfugiés du monde. Construit à l'origine pour héberger 90 000 personnes, il en accueille aujourd'hui plus de 480 000. L'UNICEF a estimé qu'il faudrait environ 22 millions d'euros pour aider pendant les 3 prochains mois les millions de femmes et d'enfants en danger.